Salut YouTube, bienvenue dans un nouvel épisode de Halo 2. Nous attendons le point de contrôle. Lançons la Calliope. Bonsoir la carioca. Youpi. Vas-y, j'ai envie de faire. Ouais, il glisse tout doucement, c'est fais bon. Fais et danse comme moi. Youpi, youpi. Dansons la carioca. Pouri, pouri, pouri. Pouri. C'est sérieux le. Putain, il a pas assez de portée, mon gun, c'est mort. Ah bah d'accord. Putain, il y avait un instagiver, je sais pas pourquoi il s'est pas mis à instagiver, mais je suis pas mécontent. Bon bah c'est bon, t'as avancé tranquillement. Il reste un singe quand même. Ouga ouga. J'allais dire si c'est lui qui me tue, je me tue. Y'a un instagibber, y'a des. Non. Des instagibbers partout. Arrête, fais pas le con. Oh mon dieu. Je suis arrivé. Quel jeu de ses morts. C'est mort, mais quel jeu de ses morts. Putain, sérieusement quoi, un point de contrôle, est-ce que ça te trouverait le cul? Yaouch, mais quel shoot. Putain de merde. J'ai vu ton véhicule partir en couille. Mais tout ça parce que je l'aurais roulé dessus, hein. Enfin, rouler, c'est un bien grand mot, mais Ah! Alors, moi, ça me tue. Alors, toi, tu te fais one shot partout, mais eux, pas rien du tout. Ouais. C'est bon, ils sont tous morts, on peut avoir un point de contrôle? C'est bon? Youpi! Non, pas du tout. Ah! Bon, un point de contrôle le jeu là, genre 1 hein? Y'a plus de musique, c'est bon, alors, on est calmé là. Arrête de... Non mais, et t'es... Y'a un dip. Putain, j'ai cru que c'est toi qui me tirais dessus. Petit bâtard. Il était planqué. Moi, ce qui m'aurait bien fait marrer, c'est que tu meurs sur lui. Bah, pour une raison que je vais pas tenter d'expliquer, il a arrêté de tirer alors qu'il avait juste à me carrer un autre obus dans la tronche et c'était bon, quoi.
Ça bastonne. Comment bah ouais. ça Comme ça. C'est quoi cet écran de ses morts là? On l'a pas vu tout à l'heure ça. Non, par contre on a eu un point de contrôle. JP. Ça servira à rien le Banshee. Hein. Je m'en fous, je le prends quand même. Je tiens à préciser qu'aux grenades, ce sont des putains de snipers, les gars. C'est vraiment le pire. Sur un autre, je le prends quand même. Proceed to die. À l'autre bout de la map, en plus, avec une grenade que t'as dû voir arriver, mais 15 000 fois, quoi. Ouais, mais je me suis pas dit qu'il me la mettrait entre les deux yeux. Parce que c'est pas humain. Et voilà, mais ça, c'est ton problème. C'est une sacrée erreur. Comme l'histoire nous l'a montré. Mais qu'est-ce qui pourrait arriver avec ce petit machin bleu qui m'arrive de l'autre bout de la map? Oh my god, machine de loup. Nani? Oh Nani, il y a deux tanks! Oh aïe. Oh ah. Et il y en avait un point de contrôle, c'est une blague. Bon. Il y en a deux, t'as dit? Ouais. Vois ouais bah l'autre il est pas ouais, vu. Et ah je l'ai. Quoi? Mais le pire mec, le pire mec. Instagibé. Je fail. Mais de même. Quoi? Comment t'es mort? Apparemment, le singe a mis un coup de corps à corps au véhicule et ça m'a tué moi. Alors tu m'expliqueras comment son coup de corps à corps qui doit toucher le début de carrosserie me tue moi qui suis tout en haut sur le machin quoi. Eh bien non, je ne l'expliquerai pas. Dansons la carioca. Non, 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 non. Non! Et le mec qui me regarde mourir. J'étais en train de leur tirer dessus. Puis. Et merde. Donc il y a un tank de moins. Ok, plus d'instagibble là-bas. Espèce de petit bâtard. Oh, il y a du lore ici. Il y a wow surtout des ennemis, ouais. Ouf. Was about to die. Ah bah maintenant ils se font larguer eux. Bande de cons. C'est maintenant que vous arrivez quoi. Il reste le tank qui est là-bas que j'arrive pas à voir. Oui, il y a plein d'instagivers. Ah. Mais putain l'écran dans ce moment. Je peux pas bouger, il y a plein d'instagibbers de l'autre côté qui vont me signer dès que je mets le nez dehors. De l'autre côté, qu'est-ce que l'autre côté? Bah ça, l'autre. Oh attends, ah mais non, il y a un fusil instagibi là, c'est bon. Ah, je crois que j'ai vu d'où venaient les tirs. Non, mais c'était moi, ils sont morts. Dans le doute. Zerbo's bon. Dead. Je vais aller chercher le lore. Moi aussi, je vais aller prendre le lore.
qui va sûrement ne pas nous intéresser. Maintenir E pour ça, c'est terminé. C'est parti! I'm starting to fear that you're not very smart. Mind your tongue, Oracle. Oh, I mean no offense. I'm not talking about you. I'm talking about your species. How long have these prophets been anointing arbiters? Since the fall of Falchavan, mind your tongue, first disgraced arbiter, roughly 400 years ago. Incredible. And in all this time, it never occurred to you how convenient it was that your prophets were able to find a powerful, capable leader among your people, who happened to suddenly commit a terrible blasphemy every time the power structure of your covenant was threatened. I do not understand. You do little to dissuade my fears. Then teach me. Looking back at the record of the arbiters you discussed, was it not surprising to anyone that those chosen to become arbiter were more than simple warriors? How so? Each of them had significant political influence among your people. In some cases, that influence was already being used to question the decisions of your higher-ups. In fact, that very questioning often gave rise to the charges of heresy that so neatly removed the challenger from the higher-ups' concern. And once they were branded arbiter, they promptly and quite cheerfully ran to meet their deaths. All our lives we look down at the path, put our feet where the prophets tell us. All our lives spent convincing ourselves of the truth of our covenant. Could all of it truly have been wasted? Let's hope not all of it, for we have a great deal of work to do. The Flood is still out there, so I require a cooperative reclaimer to enact proper containment procedures. But your covenant keep trying to kill all the reclaimers I can find. All this bickering is quite a deadly waste of time. Right now, the most important question we can ask is this. Who could break this hold the prophets have over you? L'Arbiteur. Ok, c'était du lore vraiment pas intéressant. Hein. Mais bon. Oh non. Et si. Mais même pas peur. Il y a plein de shiny ici. Je pense que tu vas kiffer. Ouais. Mais la paix n'aura pas duré très longtemps. Ouf. Ah, il y a des instagibbers en face. Super. Visiblement. Et je suis trop saoulé, ils m'ont donné un vieux gun pourri là avec 3 munitions dedans. Bon. Tiens, espèce de petit temps.
Il a pris le death shot à ma place. Bien urbain de sa part. Là, l'urbanisme, il était à son paroxysme. Oh! Je me suis fait sécher direct. Ah, JPP, putain. Oh là 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 là, se retaper le chemin à chaque fois. La passion du game. Loading simulator. Mais comment ça? Rester avec l'arbitre. Comment tu as tout tué? Je te fais confiance. Tu as raison. Ok, j'ai. Ah non, il me reste une roquette. Voilà, il m'en reste plus. Changeons d'arme. Qu'est-ce qu'on me propose? Ah bah. Un lance-roquette. Oh non. Ah bah, aïe. Ah! Il s'est passé quoi là? Putain! C'était le chaos, j'ai rien capté! Je croyais que tu voulais reculer, moi je croyais pas que t'allais rester. Ah putain! Ah! Merde, ah bah voilà. Ah bah. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Un point de contrôle, il va devoir se taper tout le chemin. Mais juste à temps, j'ai l'impression. J'ai plus de roquettes par contre. Comment ça? Mais... Putain, mais il meurt un jour lui? Bah apparemment pas. D'accord. Bah apparemment pas. Voilà. Putain... Boum, alors lui il l'a bouffé en pleine tête. En plein titre. Mais qui m'agresse avec un lance-grenade, moi j'ai un lance-roquette moi madame. Bah, c'est la guerre dans ce tunnel là. Le tunnel de la guerre. C'est la guerre colonie. C'est ici speedrun de Halo 2. Salut Black Cube. Et absolument, c'est ici speedrun d'Halo 2. Ça fait 25 minutes qu'on joue au jeu depuis le début. Exactement. Comme tu peux le voir sur le compteur qui est en bas à droite. Faut pas faire attention au compteur. Ah, là vous voyez un tank dans son environnement. Et salut Comme c'est mignon. Un bébé tank. World record, mais carrément. Prophets were fools to trust them. Woohoo! Old graphics, new graphics, 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 attendez. Comme d'habitude, dans un contenu de qualité. Ouais.
Qualité Lidl. Hein. Grande bonté. Putain, on a enfin réussi à réussir un niveau sans le recommencer 150 000 fois. Exact. Elles sont charmées les cinématiques quand même, en rework, j'avais oublié. Y a pas photo. Pas cinématique, hein. Parce que le reste du jeu, il est quand même pas mal beau, hein. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que tu peux faire la comparaison en live, y a du lore. Y a du master lore. Salut Arteos. Yo Arfionos. Ça, c'est le gars qui était sur le stream de Black Cube avant et qui est venu après. Where is he going? To finish what I started. And this time, none of you will be left behind. That structure in the center of the city, it's a Forerunner ship. And Truth is heading straight for it. If he leads the Covenant fleet to Earth, they won't stand a chance. You have to stop him. That brute has the index. Je streamais pas ce soir. Bah, il était sur le stream de quelqu'un d'autre alors. Voilà. C'est tout. Salo. Ouais, allô, oui, c'est Salo. Indeed. Non, me touche pas aujourd'hui. Ok. Bref. Eh. Qui a skip? C'est d'accord. Moi j'avais pas les mains sur le clavier moi. Idem. J'avais ni les mains sur la souris ni sur le clavier. Je sais. C'est sympa. Parce que maintenant ils ont des vaisseaux les parasites. Mais quel enfer. Super. Oh lui il avait un peupon lui. Et on les connaît les parasites au peupon. Ils sont. Ouais bah justement j'étais un peu trop proche. Ah j'allais dire est-ce que c'est un vaisseau parasite ça mais oui. Mais c'est un enfer. Arrête de skipper. Mais c'est vrai ça, c'est à cause d'Arteos putain. Bannez-le. Bannez-le pour skip de cinématique. J'aimerais bien mais. C'est pour Halo 2 qui a les jolies cinématiques par Blur Studio. J'en sais rien, je m'en bats les couilles. Il y a des jolies cinématiques, c'est tout ce que je regarde. Pourquoi ils se battent entre eux les. Ah non, il y a des grognards, d'accord. Je vois des petits tas de merde se déplacer. Non, mais t'as raison, c'est la même chose. Hein. Purge Demo. Faut aller dans ce vaisseau-là, c'est ça? Je pense. C'est sûr. Bah non. Je Il nous monte son cul, mais on n'a pas le droit. Ban all chat. C'est vrai qu'il faudrait faire une... Quel con. Bah je pense faut aller à gauche là, faut prendre la grande pote. Non, moi je suis pas d'accord. Bah moi j'y vais. Mais regardez-moi ce mec là, il était de speedrun le jeu, il y avait même plus de temps pour le lore. Putain, il a changé. Hein. Y'a plus de lore, y'a plus de lore, y'a plus de lore ici. Ça tue seulement. C'est mieux avant quoi. Ah ouais, ça tue seulement, mais ça tue que toi par contre. Hein. Ouh. Oh. Oh la belle bleue. Mais ça toi. Il y en a t'as, Il commence hume avec un singe au cul. Le singe au cul. Ah mais c'est même pas lui qui m'a tué, c'est ça le pire. Je crois qu'il m'a même pas touché une fois en plus ce singe. Non parce que je l'ai tué avant. Mais l'écran noir c'est meurt. D'accord. Ouh ah ouh. J'ai plus de munitions, adieu.
D'ici, il en recule en vaillamment. Demain ça, toi. Que je... Ouais, non, je préfère ça, c'est mieux. Ce niveau me dit quelque chose. Non, c'est pas vrai. Wouhou! I'll disable this lift once you reach the top. That'll slow them down. I hope. Bah, s'ils savent pas voler, oui, ça devrait, ouais. Si ça volait, bah de toute façon. Qu'est-ce que. Pas grand chose. Ah, ça y est, il est en train de reparler l'autre là. Raconter sa science. Vas-y, j'y vais. Faut faire quoi? Faut aller là? Ça... Oh! Ah! Non, non, non! Je voulais pas! Je voulais pas. Ah! J'ai jamais vu d'où il venait. Mais t'es mort! Mais... Putain, le mec, je lui ai tué quasiment tous les ennemis sur le chemin et il meurt. Sac à caca, là. Bordel de merde! Mais il meurt jamais? C'est ça le truc en fait, c'est qu'il meurt jamais. D'accord. Mais il est venu juste pour me taxer mon arme, c'est ouf. Ah, il y en a une au sol. J'en veux plus, c'est celle que j'ai dans les mains. Moi, je voulais l'autre qui instagibait et qui me permettait de t'aider à deux distances. Gip, 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 gip. Voilà, plutôt que voilà. Ah, insupportable, le pire. No enemy le pire. Ok, donc ne pas leur tirer dessus quand ils sont trop proches. Insupportable. Bon. Je... j'app... Ah, vous pouvez pas me toucher là où vous êtes, hein. Vous pouvez pas, hein. Alors... Vous savez rien, vos petits bras, là. Ah. Oh putain, je... Depuis avant, je suis sur ta tête, et en fait, quand t'avances, j'avance aussi. C'était magnifique et je me suis dit, bah, il y a un moment, il va peut-être remarquer qu'il y a des tirs qui viennent de sa tête. Alors, ça n'a pas eu l'air de te phaser plus que ça. Quoi. Non. Moi, je suis immunisé au phasage. Ouais, ouais, ouais. Boop. Ah, quoi, mais... Quoi? What the fuck?
Alors toi ça t'a fait voler, moi ça m'a laissé tomber. Sérieux? Oui. Ah. No enemy has ever withstood our might. Blood too shall fail. Ouh, ce petit un tir de mort. Waouh. Wow. Ouh, un deuxième. Putain, quel tireur d'élite. Qui se cache là? Eh oh, tu sors ta cachette. Billy, tu meurs, voilà. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Vous avez vu comme mirage? C'est parce que le mec il sait pas voler quoi. Petit oiseau, tu n'as pas d'aile. Ah bah tu peux pas voler. Mais tu viens! Mais tu viens! Allez! Allez, tu viens! Allez! Vous êtes un peu beaucoup là par contre. Ah! Ah! Fin de la vie d'un homme nul. Bon, allez. YouTube, la suite dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé. Salut.